Mettre en place des foyers améliorés métalliques au profit des déplacés de terrain. C'est l'accompagnement des jeunes volontaires pour l'environnement JVE Niger avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Une initiative qui vise à promouvoir des méthodes alternatives pour une gestion durable des ressources en bois énergétique. Ça, c'est ce qu'on appelle foyer amélioré, métallique. Nous le confectionnons ici, même à Niamey, avec les tôles. Actuellement, je suis en train de les confectionner comme vous le constatez. Récemment, il y a l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui a fait appel à moi pour la réalisation de ces foyers. Et comme vous le voyez, nous sommes même au marché Katako. Une initiative saluée et encouragée par les autorités de cette localité. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement l'ONG JVE pour tous les multiples assistances qu'ils apportent aux populations déplacées. Je vous l'avoue que nous, en tant qu'autorité du département de terrain, nous sommes particulièrement réconfortés de ces actions, de ces multiples actions faites aujourd'hui à l'endroit de ces déplacés-là. Hier, on était venu pour les centres de sensibilisation. Aujourd'hui, nous passons aux actions concrètes. Les actions, c'est la distribution de ces foyers améliorés qui permettront non seulement d'abord que ces déplacés puissent se trouver dans une situation meilleure pour vivre comme les autres populations autres. Deuxièmement, encore, c'est pour préserver l'environnement. Parce que ces genres de foyers permettent de mieux économiser, d'épargner en tout cas le couvert végétal et l'arbre en général. Et cela, nous le savons aussi, parce que c'est pour qu'aujourd'hui, au Niger, nous fêtons la journée nationale de l'arbre, fête nationale de l'arbre. C'est pour préserver ce couvert d'arbre. Donc je suis très réconforté. Je le dis encore, je le répète, au nom de la population du département du terrain, l'ensemble des autorités coutumières, l'ensemble des services techniques, nous remercions très sincèrement l'ONG et dites à votre partenaire que nous le soutenons dans toutes ces actions et que les déplacés aujourd'hui sont plus réconfortés que les autres d'habitude. Dans le cadre de ce projet, outre la distribution des foyers améliorés métalliques, plusieurs activités ont été menées, dont la sensibilisation des ménages sur l'utilisation de ces foyers, la production et diffusion des spots audiovisuels de sensibilisation sur l'utilisation des foyers, la formation de 11 artisans locaux, entre autres. Oui, depuis plusieurs semaines, nous avions été formés en fabrication de foyers améliorés métalliques. Et vraiment, Dieu merci, actuellement, j'arrive à fabriquer tout ce qu'on m'a appris. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie et remercient l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Niger et le Comité international de la Croix-Rouge pour cette activité et initiative qui les permettent de réduire la consommation de bois de 30 à 40%. Nous sommes vraiment ravis pour la distribution de ces foyers à l'endroit des populations déplacées. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux femmes de bien économiser le temps et de réduire aussi la consommation du bois. Nous remercions vivement l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement et son partenaire pour cette action noble qui va beaucoup nous réconforter. Par cette action, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Niger et son partenaire Croix-Rouge international entend apporter leur soutien aux déplacés internes de terrain afin de permettre aux femmes d'économiser leur temps et de préserver l'environnement
tout en réduisant la consommation du bois qui contribue à la séquestration du carbone et à la lutte contre les effets du changement climatique ainsi que les risques de catastrophes.